Faut juste que je trouve le son. Tout, 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 c'est pas là. Parce que là, ça devrait être bon. Il y a beaucoup de soleil, dis donc, là. Bon, évidemment. Ah oui. Ah oui. Ouais. On avait chopé je sais plus quoi pour sauver Aya. Allez, hop. C'est parti. そうですか。主人は。はい。神官として戦い果てたのなら、私は主人を誇りに思います。セリューも感謝してるみたいでした。さ、アイヤさんも。はい。それはムーバ。アリ。お願い。元気になって。 Il va retrouver sa forme d'un temps. Aya. Ça a disparu. On va essayer de faire là, bien les voix des personnages. Aya. Merci. Luca et Loka. Je suis désolé de vous avoir fait du souci. Toi aussi, Capitaine, merci beaucoup. Moi aussi, je vais combattre l'armée de Sil. Nous sommes très forts. Nous voulons aller là où il y a le Sil. Arrêtez vos enfants, s'il vous plaît. Vous savez ce que cela veut dire, d'aller à la guerre? S'il vous plaît, prenez mes enfants avec vous. Mais non, c'est... on ne peut pas. カペル様を見てそれを学んだんです。そういう解釈をしないでください。わかりました。二人のことは私に任せてください。ああや。Dans ce cas-là, laissez-moi m'occuper de ces deux enfants. Qu'est-ce que tu veux faire, Capel? Moi, je. Allons-y ensemble. Nous sommes des amis. わかったよ。シグムントさんに。 D'accord, d'accord. Puis je dois rendre l'épée à Sigmund aussi. Merci. Non, merde. Merci. Ah, c'est chaud. Faire toutes les voix, c'est chaud. Donc du coup, on a 4 personnages avec nous. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait une clé. Kaya nous dit quoi? Merci Capel. Ah, maintenant j'ai une vision différente de toi. C'est bien ça. Laisse-moi m'occuper de l'armée. Je vais en faire qu'une bouchée. Je suis contente que Aya aille mieux. C'est triste pour mon mari, mais j'étais préparé. J'espère que mes enfants vont bien grandir, vont devenir de bons adultes. Bon, du coup, faut qu'on rentre, c'est ça. Mais est-ce que si on prend Aya avec nous,
que... Elle va dire autre chose. Ah, elle dit autre chose. D'accord. Quand on lui parle avec Aya, on peut se reposer. C'est marrant, ça. Allons-y, très vite. Allons-y très vite, oui, ok. Ah. Évidemment, Aya ne peut pas parler au chien. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Merci d'avoir protégé le dragon sacré. Je suis pas sûr qu'elle ait une voix aussi jeune. Merci d'avoir détruit l'armée de du Sile. Du Sceau. Hein, du Sceau. Ah, les pauvres enfants. Ils ont perdu leur père. Ouais, bon. C'est surtout, ils parlent du papa. Ah oui, il y avait la flûte aussi. J'avais oublié, disons, la flûte. Nous ne savons pas ce qui peut se passer à chaque instant. Wow. Est-ce que vous avez vraiment battu l'armée? Merci beaucoup. Ah, attendez. Ah, il va nous donner une lettre, il faut qu'on amène ça. Bulgas. L'ami de Bulgas. Bah oui. Denton. Donc l'ami s'appelle Denton. Denton. Ok. Denton. Eh oui, nous avons battu l'armée, putain. Le soleil est en train de me chauffer la tête, c'est vrai que j'ai attrapé une insolation chez moi, quoi. Ça va être comique. Toujours des trucs à acheter. Bon, on peut toujours faire, j'imagine, des paniers repas. Je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Ok, donc une quête. Il veut que j'apporte ça à Kaminali. Beaucoup d'eau. Attends. C'est qui Kaminali Ojisan? C'est Papi Kaminali. Papi éclair, ça veut dire. C'est pas lui. Attendez, il n'y avait pas un... Il n'y avait pas une maison où il y avait un mec qui avait caché un trésor. J'en souviens plus. Je sais plus où c'est. Bon. À mon avis, vu que... Ah, c'est peut-être toi, Papi Kaminali. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Papi Kaminali. C'est pas toi, je pense. Ça doit pas être toi, je pense. Alors là, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Et donc toi, du coup... Ah, le chien a trouvé apparemment son secret. A déterré son secret, en fait. Donc, si le chien a déterré son secret, est-ce que si on y va avec Lucas, Loka, je sais plus lequel des deux peut parler aux animaux, est-ce qu'on aura son secret, du coup? Peut-être. C'est pas toi, papy, hein, je pense pas.
Papy. Est-ce que c'est lui? Ah, c'est lui. Ah, donc il nous remercie. Donc il nous dit de retourner à la boutique. Il va sûrement recevoir une récompense. Du moins, je l'espère. Oh putain. On a une broche pour les cheveux à la fille qui est à l'entrée du village. Eh ben dis donc. C'est elle? Non? Ouais, c'est ça. Bon, elle était pas très très loin. Ça va. Ok, donc Annie me dit toujours la même chose, hein, retourner à la boutique. Pas de soucis. Cette fois-ci... Ah. Ok. Il faut donner ce bracelet à quelqu'un du village, mais le problème c'est qu'elle a perdu la commande et elle sait pas qui c'est. Mais elle sait que c'est quelqu'un du village. Ah, ça serait pas le mec avec le chien là justement qui avait caché son machin. Ou lui peut-être. Non, non, c'est pas lui. Un bracelet en fer quoi, non mais... Ne me faites pas porter plus de poids que je n'ai actuellement. Non, c'est pas lui. C'est pas toi? Pas elle non plus. Ça m'étonnerait que ça soit les gosses quand même. Qui aient commandé un truc. Papy. Hein? C'est lui? D'accord. C'était papy. Papy veut devenir musclé apparemment. Ok. Et donc... Oh putain, c'est une potion. Enfin, c'est un truc pour ressusciter les personnages. Bon, c'est mieux que rien, mais... Du coup, on va aller parler à Lucas. Je crois que c'est Lucas qui peut parler aux animaux. Lucas. Est-ce qu'on avait parlé aux pigeons, là? On peut pas leur parler, d'accord, c'est pas grave. Ouais. Il nous dit qu'il avait trouvé un truc là où on a combattu en fait le boss et tout. Dans ce donjon. Mais putain, ouais, est-ce que c'est vraiment intéressant? On va pas retourner là-bas juste pour ça quand même. On va aller parler quand même au mec, justement, qui va cacher son trésor, juste pour voir. On va parler au chat aussi. Le chat. Il est fatigué, il a sommeil. Bon, lui, maintenant, il dit plus rien. Ok, bon. Bon. On va juste aller à l'entrée. L'entrée du donjon pour voir. Enfin, je sais pas si ça apparaît sur la map en fait. Il y a
les trucs qu'on peut choper. Je pense pas. Je ne pense pas. Il y a un truc qui me suit. Ah mais c'est le chien. Merde, on aurait dû garder Lucas. Peut-être qu'il va venir avec nous et nous indiquer... Ah, c'est possible. Attendez. On va reprendre Lucas. J'aurais pas dû l'envoyer en fait. Mais viens. Bon, je commence petit à petit à m'habituer un petit peu au système de jeu. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, viens avec nous, viens avec nous. Viens avec nous, viens avec nous. Viens avec nous, viens avec nous. Ah, est-ce que ça serait par là? Non? Non, pas du tout. Tout à l'heure, elle était venue un petit peu plus proche. Non, j'avoue que là, je ne comprends pas, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, y a rien. Y a rien. Mais donc là, on peut même plus y aller sans deck. Pourquoi? On a pété la grotte ou? Non, on peut même plus y aller. D'accord. Bon, c'est bon à savoir ça. Ça, je n'imaginais pas du tout qu'on ne pouvait plus... et qu'on peut pas faire les donjons plus d'une fois, en fait. Enfin, apparemment. Hein. Ok. Bon, bah du coup... Est-ce qu'on peut partir? Ah, c'est vrai qu'il y avait le dragon. Maintenant, il n'y a plus le dragon, je suppose. Ah, quelqu'un nous a envoyé un message. C'est comme ça qu'on s'envoie des messages ici. On est en train de me compter comme... comme une force à reconnaître. Je sais pas si on dit ça en fait en français. C'est un petit peu bizarre. D'accord. Donc on va recevoir de temps en temps des rapports. D'accord. Donc ça nous apprend ce que font les autres. Faut qu'on aille à Pleven, au château de Pleven. La vache. Quoi? Un autre monstre? Ah, il vient vers nous. Donc là, il y a un lapin. Est-ce que si on utilise Luca... HP. Mmh.
Aucune idée. Est-ce qu'on regagne nos points de magie d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas l'impression. Ah merde, il faut... D'accord, il faut qu'on visite la map. C'est quoi comme 1500 là? C'est quoi comme 1500? C'est ça? Quoi? Ok. L'autre, on dirait, j'ai l'impression qu'il dit porno à chaque fois. Porno! Porno! L'attaque porno. Très belle attaque. Alors... Dans des serpents... Bon, un truc à ramasser. Une baie. Où on va là? Ils aiment beaucoup parler entre eux. Putain, on est où là? Attendez, attendez. On a changé de zone. Merde. On a une map. On a une map. Oula. Non. Complexe. On va retourner quand même là où on était. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Je sais pas ce que ça fait au final, hein, ces trucs de flûte. Parce que bon, à la base, c'était censé avoir des effets positifs. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose en fait. Est-ce que c'est lié là, ces deux zones? Voilà. On a tué le serpent. Oh putain, y a encore un truc. Non, j'ai pas l'impression que ça soit connecté. Non, non, non. Bon, ce système de map à la Star Ocean, par contre, c'est... Ça rappelle les souvenirs, mais c'est vrai que... Je crois que Fantasy Star aussi était comme ça. On devait d'abord visiter la map pour qu'elle apparaisse, en fait, au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc à péter encore. Est-ce qu'on peut le péter avec une magie? Alors, attendez. Aya. Ça marche pas. Ça marche pas non plus. Loka.
Marche. Je sais pas du tout. Prendre Lucas. Ok, d'accord. Ça doit pas être pétable pour le moment, j'imagine. Sorti. On a un truc. Oh merde, c'est du poison. Est-ce que ça va partir tout seul? Ah, j'avoue que je ne sais pas du tout. J'espère que oui. J'espère que oui, mais je commence à avoir peur là. Attendez, on va essayer de bien analyser la map. Attendez. Il n'y a pas un truc pour faire un campement? Ah, c'est bon, c'est parti. Ça. Une herbe médicinale. Médicale. Je sais pas si on dit médicinale. Ok, donc là c'est pour aller à la forêt. Je crois que c'est là d'où on vient, la forêt à la base. Je pense. Vous êtes à qui là? Ah, j'ai peur. Voilà, comme ça on peut voir que c'est bien fait ici. Ok, pas de soucis. On va tuer ouais, on va tuer les autres quand même, obligé. Ils sont sur notre chemin. Merde. Ils vont encore m'empoisonner. Pour l'instant, ça va. On se débrouille plutôt bien. Merde. On avait déjà notre épée des lignes. Bon, c'est bien de pouvoir dégainer et rengainer l'épée, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant parce que du coup, on a l'impression qu'on a l'épée. Enfin, on oublie quoi. On oublie, est-ce qu'on a l'épée rengainée, dégainée, on fait pas vraiment gaffe et voilà. Et c'est le drame. Ah. Ouais. Hop. Bon bah voilà, je crois qu'on a tout fait.
niveau de cette map. Donc, il n'y a plus que ce chemin-là. Et après, la forêt. On va aller voir quand même là-bas de l'autre côté, du coup. Bon, les ennemis respawn à mon avis. Les ennemis respawn. Oh. Sonic Mega CD. Un plagiat. Un plagiat de Sonic. Quoi? Oh, ils s'attaquent entre eux. C'est bon à savoir ça. Mais est-ce qu'ils peuvent tuer les ennemis, du coup? Apprenez à viser quand même les mecs. Hein. Je pense quand même qu'ils doivent pouvoir se tuer. Ah, ils sont bons. Ok. Peut-être qu'ils peuvent pas se tuer entre eux. C'est juste des mises en scène. Oh putain, il y a un loup. Il a fait une rire. Ah d'accord. Ça va être compliqué. C'est Guillaume. Il a beaucoup de HP, Guillaume. Est-ce qu'il nous attaque? Oh, il est parti dans les airs. Le mec, c'est pas grave. Il est mort, mais on continue quand même d'attaquer l'ennemi. On est un petit salaud, nous. On est comme ça. Ah là là. Quoi, c'était un skill battle, je sais plus. C'est pas battle, c'est connect. Ça, c'est connect. Et donc, tu as pris. C'est toi qui as pris ça. Ah, Jupinello, c'était quoi déjà la base? C'est quoi? C'est la merde, ça. Ça sera mieux comme ça. Ah, mais on nous avait dit d'aller au château d'ailleurs. Ça serait pas ça le château? C'est quoi ça? Ah, donc c'est la capitale Blue Gas. Ah ben c'est là. C'est là où on doit aller, je crois, pour la quête. Pour remettre la lettre. Il me semble. Je peux me tromper, mais je crois que c'était là. Parce
il nous avait parlé de Brugas, là, justement. Avec la personne qui s'appelait Denton. Oh, il y a un coffre. On va pas te faire de... Comment dire ? On sera sans merci. Oh putain, il y a une clé. Oh, et en plus c'est de la merde. Ah, je suis un petit peu dégoûté là pour le coffre. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième qu'on pète. Et à chaque fois, il n'y a que de la merde du coup. C'est... Ah, c'est dégueulasse. D'ailleurs, j'ai regardé. C'est vrai que j'avais pas vu la date. Mais ce jeu est sorti quand même en 2008. Donc il a 12 ans. 12 ans. Et pourtant, je trouve qu'il tient mais vraiment mais très très bien la route, quoi. C'est bizarre, pourquoi on voit bien la chaîne là. Je sais pas. Oh, un renard à 9 queues. D'accord, il donne de la viande. Ah, donc il faut tuer les lapins aussi. D'accord. Bon. Ah, si on voit des lapins, ils passeront à la casserole. Putain, mais c'est immense ici. Franchement, les mecs, faut arrêter de faire des maps immenses. Il a pris la queue du lapin. Pas mal ça. C'est quoi la queue du lapin ? On peut endormir la cible et ça devient notre allié. C'est quoi ça déjà ? On va mettre ça à la place. Voilà. Je sais pas vraiment s'il y a des trucs importants, mais bon, on fait le tour quand même, on sait jamais. Là, il y a une plante. Une plante à l'aise. Une plante à l'aise. Une grotte. J'aime pas voir des trous sur la carte. Je suis comme ça, moi. Voilà. J'aime bien voir les bords. Donc là, c'est pour aller à une... à Oladea.
Ah, d'accord. D'accord. Donc on est bloqué de toute façon, voilà. On peut pas aller où on veut, on est obligé vraiment de suivre la trame principale de l'histoire. D'accord. Oula. Oula, il y a du monde par ici. Merde, il était pas mort. J'ai cru qu'il était mort. Est-ce qu'il y a des trucs à faire là-bas? J'ai pas l'impression. Bon, on va juste, voilà, c'est pour... pour la map qu'on le fait. Merde. Ils sont chiants quand même ces monstres qui volent. Bon là j'ai plus de magie aussi donc je peux pas vraiment faire de skill je pense. Sinon bon ça serait un petit peu plus sympa mais c'est vrai que les attaques normales bah voilà. Vas-y tombe. Vas-y tombe. Vas-y tombe. C'est un petit peu relou aussi au niveau des dialogues. Dancing Rhapsody. On va aller voir ses potes. Viens ici. Putain, le mob pas chiant quoi. À cause de lui, on va faire toute la map. Tuer notre ami, comment il s'appelle déjà, Guinea, Guiol, pareil, ouais. Guiol, Guinea, oh putain ils nous attaquent d'ici eux, les salauds, viens ici Guiol, non putain il va attaquer. Mes ennemis viennent d'où? Ils étaient pas là tout à l'heure. Bon allez, on va quand même aller ramasser le machin. Putain les salauds quoi. Non ils étaient pas là tout à l'heure. Je suis quasiment sûr de ça. Hein. Franchement. C'est dégueulasse. Ah mais dis donc, je crois qu'on est en train de se rapprocher du début de la map. Non? Ah non. Ah putain, c'est encore un autre endroit. Bon, il est fermé lui, mais... Ah bah non. Non, on doit pouvoir retourner dans les donjons vu qu'il y avait la même pierre dans le donjon. Et on peut pas apparemment la péter encore, donc... On doit pouvoir retourner dans les donjons en fait. Peut-être plus tard dans l'aventure ou peut-être ça se trouve il va se passer un truc. Encore. Oh. On s'est fait... c'est poison. On s'est fait empoisonner mais on a eu en même temps de l'argent.
Il n'y a que Loka qui n'a pas été empoisonné. Oh, c'est pas grave. Ça dure pas non plus une éternité le poison, donc... Maintenant qu'on sait ça, on est bon. Alors attendez, putain, parce que... C'est quoi ça? Oh, c'est un renard. Non mais c'est vraiment immense, quoi. Vache. La vache. Bon, je vous rassure, là par contre on va pas faire toute la map quand même, parce que sinon ça va prendre un sacré moment. Même si peut-être on a quelque chose quand on arrive à faire toute la map comme ça. Star Ocean, je crois qu'on avait un objet quand on arrivait à 100% de la map. Peut-être un petit peu moins. Peut-être 95% ou un truc comme ça. Là, bon, il n'y a rien de spécial. Par un ennemi qui s'est foutu dans la colonne. Oh putain, il y a un coffre là. Il y a un coffre là. Ok. J'hésite à péter le coffre. Parce que peut-être que le contenu va tomber. Mais ça me fait un petit peu peur en fait. On va juste aller affronter les ennemis. Une sorte de chevalier. Ouais, c'est les... c'est l'armée des sceaux, quoi. Ils ont l'air forts. Bon, ils étaient pas du tout forts. Ils sont déjà morts. Attendez, mais il y avait un endroit ici aussi. Putain, j'en souviens plus. Oh là là. On était où tout à l'heure? Je suis paumé. Attendez, c'était où la grotte? C'était là? Qu'est-ce que c'est que cette map, quoi? Ok. Non, j'avoue que là, je sais pas trop où on est. Est-ce que c'est une autre zone encore? Est-ce que c'est un truc qui va être bloqué? Un point de sauvegarde en tout cas. Sauvegarder. Oh putain, c'est là qu'il fallait aller en plus. Merde. La merde. On m'a étouffé, je pense. Oula. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc il faut faire attention à la barre en haut. Faut protéger les portes du château. Yeah.
devrait pas être très dur, je pense. Ben, ils attaquent Aya d'en haut. C'est eux qui sont dans le château, c'est nous qui sommes dans le château. On est en train d'attaquer leur château. Ah mais c'est ça. Ah d'accord, on est en train d'attaquer leur château en fait. Hein? J'ai rien compris. Ah pourquoi on doit protéger la porte si c'est leur château? Allez-y. Compris. Mais eux ils sont avec nous non? J'ai rien compris. Attendez. Putain mais faut le détruire. Pourquoi? Pourquoi il y a des gentils qui protègent la porte? C'est des ennemis qui sortent de derrière la porte. Et on est en train de péter des trucs qui pourraient nous aider à tuer les ennemis. Ils sont dans les murailles. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est peut-être l'inverse en fait. Je pensais qu'on devait défendre, mais peut-être qu'il s'attaque. Ouais, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, donc il y a deux nations qui sont en train de se battre. La nation bleue et l'armée des sceaux. Et je ne marque pas ce qu'il faut faire en fait. Il faut tuer les deux. On peut tuer que l'armée des sceaux apparemment. Mais... C'est un projet complexe quand même. D'accord. L'utiliser. D'accord. C'est logique, ça devient logique. Ah, ça veut dire que du coup, peut-être que tout à l'heure, ils étaient en train d'essayer de détruire la porte. Ils ne gardaient pas la porte, en fait. Ils allaient détruire, d'accord. Okay. Donc du coup, ça marche comment ça? D'accord. Je pense que je commence à comprendre. Voilà.
On a réussi à tuer un ogre. On va tuer l'autre. Je pense que ça va commencer à... Donc faut péter la porte, c'est ça? Ah, ça doit être ça. Ouais. D'accord, d'accord, c'est l'inverse. Faut péter la porte. Ben, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Il y a encore un ogre qui arrive. Non. Bon allez, encore un tir à mon avis. Encore un tir et on devrait bien. Mais hop. Bon. C'est bon. Oula. Ok, donc ça c'est leur château. Ah, on peut se reposer, c'est bien ça. On va voir, alors attendez. Est-ce que tu as des trucs sympas à acheter? Là, t'as beaucoup de trucs. C'est que des items. Ouais. Du coup, on va se reposer. La musique est... La musique. est-ce qu'ils ont des trucs en plus? Je sais pas si on est obligé de les équiper en fait. Pour qu'ils utilisent leur magie. Enfin les CA. On n'a aucune idée. Est-ce qu'on a eu d'autres... Oh putain mais j'avais même pas fait gaffe quoi. Attendez. Les accessoires, Junkwan, ça aussi. Ouais, est-ce que tu as un nouvel arc? Je pense pas. Bon. On va leur mettre de la merde à tous. Ça, tout le monde est content. Voilà. Donc toi, pareil, je pense pas qu'on ait des trucs pour toi. Bon, c'est bon, on est bon. Attendez, on peut peut-être parler. J'espère que tout le monde va bien. Allons chercher tout le monde. Ouais, c'était incroyable, le mec musclé. Allons vite à l'intérieur du château. Est-ce que Sigmond est encore plus fort que le mec super musclé? Waouh, j'ai hâte de le voir. Ok, c'était nul. Oh. C'est
calme par ici. Je vais pas le péter. Non, ça fait rien. Bon, ça, on doit pouvoir le péter. Voilà. Quoi, une autre? Ok. C'est une cellule. Pourquoi elle était dans une cellule? Ah, ça c'est la question. Question à 10 000 euros. Là. Trois coffres. Aucune idée de ce quoi ça sert, ces machins. Est-ce que c'est pour le craft, peut-être? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça. Ah non, c'est pas du tout pour le craft. C'est pour voir dans l'obscurité, apparemment. Ok. Je crois qu'on a eu un autre truc. Où était là? Ah, c'est ça. D'accord, c'est une partition, un bout de partition. Ma foi, pourquoi pas? Un gros coffre. Oh, c'est cool, j'ai eu la clé des cellules. Ça devrait être utile. Par contre, genre le problème de ces jeux, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'on va déclencher une scène qui va faire avancer l'histoire. Il va peut-être mieux revenir. Putain, les merdes, merde! Bon. Ils sont tous morts, c'est bon. C'est bon. Allez, dis donc. Ah, apparemment on revient. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, eux aussi sont morts. Est-ce que c'est relié? Peut-être pas. Je sais pas. Hein, peut-être pas. Ok, donc là il y a un truc qu'on peut péter. Non, attendez, on va faire gaffe quand même. Merde. Voilà. Bon bah voilà. Je sais pas qui c'est qui a fait péter le baril, mais merci. Du coup, Roca est quasiment morte. Putain, mais je vais arrêter. Ah, ils sont chiants. Hein. Bim. Merde, elle est pas morte.
Lucien est morte. Voilà. Oh putain, mais il était pas mort lui. Ouais, je sais pas si c'est connecté, c'est relié. Je pense pas. Map. Je sais pas. Ah. Oh putain. Ah mais il en a fait un ami. Ça. Je sais pas. D'accord, donc faut faire gaffe à ce truc sur le sol. Malheureusement, on va être obligé de revenir en arrière. Oh, fait chier. Oh, vous êtes chiant, franchement. Mais putain, mais faites gaffe où vous mettez les pieds. D'accord, Aya est morte, Rocker est quasiment morte, super. Comment utiliser des MP pour rien, quoi. Bon. C'est bon. Oh mais non, mais ils ont tous respawn. Aller plus loin encore si tu veux. Non. Il y a un truc qui est assez bizarre en fait. Enfin, assez bizarre. Non, c'est pas forcément bizarre, mais. Quand on fait des attaques. Là par exemple, après la troisième attaque, on peut plus du tout attaquer ni bouger. C'est vrai que c'est assez. Stressant. On a envie de bouger, on a envie d'attaquer encore, mais on peut pas en fait. On est complètement bloqué. C'est pas très très long, hein, c'est juste une deux secondes, mais c'est vrai que ça, c'est stressant en fait. On a envie de bouger, on a envie d'attaquer, mais on peut pas. Alors bon, c'est pas un bug, hein. Je pense que le jeu est fait comme ça.
une sorte de barre de stamina mais qu'on voit pas quoi. Voilà, ils sont tous morts. Attendez. J'ai même plus où c'est. Tout droit. Tout droit à droite. Merde, j'ai qu'une de touche. Oh, il y avait les mêmes trucs ici, non? Ah bon? Ah bon? Attendez, on vient d'où? Bizarre. Il me semble pas qu'on avait eu ça au début quand on est arrivé. Merde. J'avais pas vu toi. Au début j'avais eu un petit peu peur qu'on puisse pas vraiment augmenter le niveau à cause de ce système d'XP un petit peu bizarre. Mais j'ai l'impression que ça va quand même. On augmente plutôt assez bien le niveau, je pense. Ça va. J'avais peut-être peur pour rien au final. Est-ce qu'il va y avoir un truc sympa à choper ici? Voilà. Oh putain, mais lui aussi nous a donné une clé. Ah, c'est un item utilisable une fois seulement. Sûrement, merde. Je pensais que c'était un truc spécial, moi, que j'avais eu. Oh. Oh, c'est dégoûté. D'accord. Ouais. Bon, on vient d'avoir pas mal d'argent, hein. Je pensais pas que c'était ça. Ah, je suis dégoûté. Allez, donc là, il nous faut une clé. Oh, je suis dégoûté. Je pensais que c'était infini, moi. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un pourrait dropper une clé? Non. Non plus. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller faire la dernière cellule. On a loupé une cellule ici aussi. Ouais, il nous faut deux clés encore. Est-ce qu'on va sauvegarder, tiens. On va se reposer aussi. Voilà. Ça nous fera du bien. La musique est sympa. Ah
Du coup, on va se retaper tous les mobs. J'aimerais bien qu'il me drop deux clés. J'avoue que j'ai envie quand même de voir ce qu'il y a dans les deux cellules. Parce que je sais pas si j'aurai le courage de tout refaire là jusqu'aux escaliers et si on chope des clés de revenir, de retuer tout le monde. J'avoue que c'est assez chiant quand même. Elle m'a donné un coup. Non. Pas de clé. Pas de clé. Non. Bah tant pis. Hein, si on a pas de clé. Je sais pas si c'est un ennemi spécifique qu'il faut tuer en fait ou si c'est le top drop qui est assez faible. En tout cas c'est un des deux hein, forcément. Je pense que ça doit être un top drop particulier. Ils nous ont pas vu. Mais non. Ah si, si. C'est bon. Ouais, mais ils ont rien droppé. Ils ont rien droppé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh non, putain, les gargouilles. Que lui il peut venir jusqu'ici. Vas-y, fais-le venir. Il est mort. Ah non, il est pas mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, est-ce qu'on va voir aussi le grand méchant du jeu? Celui qu'on a vu dans la scène cinématique principale. Parce que bon, pour l'instant, c'est pas trop... c'est pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qui se passe. Ah, c'est là où il faut l'objet, putain, mais la vache. Alors attendez, c'est quoi l'objet déjà? C'est ça? Oh là là là. Non, mais je sens qu'on va être obligé de revenir en arrière et d'acheter des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Très mal. Putain, je vois que dalle. C'est lequel où il y a le symbole? Merde. Merde. Je veux dire, en même temps, on n'y voit rien, quoi. On a beau avoir le truc de la lumière, on n'y voit que d'elle. Moi, je dis, hein, au bout d'un moment...
Ah, c'est bon. Ah, c'est là. Ok. Putain, mais non. Ah, mais voilà, si moi je fais attention et que mes personnages marchent dessus. Au bout d'un moment, ça va être difficile, quoi. Ça va être difficile. Bon, c'est fini. Eh ben, dis donc. Là, c'est juste pour ça en plus. La zone bien chiante. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Faut une clé? D'accord. C'est une embuscade. Oh là là là. Je crois qu'ils sont morts. Voilà. Eh ben dis donc. Des bruits bizarres. Ils sont avec nous. Putain, mais ils me donnent que des trucs junk. Ah, attendez. Oh non, il faut une clé. Ah non. Oh, c'est un truc. C'est une marble stone. Ça me dit quelque chose, marble stone. Il me semble qu'il y avait un jeu où on était obligé d'avoir ça pour avoir des armes ultimes. Bon là je suppose que ça doit être différent. Si c'est au début du jeu. Oh la vache. Où est-ce qu'il faut aller encore? Ok. Oh mais non, ils nous ont vus. Ils nous ont vus. Le système de combat n'est pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai que s'il avait été mieux, ça aurait été encore mieux. Ça aurait été peut-être un bien meilleur jeu qu'il ne l'est actuellement. On a eu une sandstone. Ouais, mais je sais pas où il faut aller, merde. Parce que là... Oh putain, on va encore donner un truc noir. Oh là là, mais c'est horrible. Putain, mais ils ont déjà respawn. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Mais c'est une blague. Ils ont déjà respawn. Bon, ça va, il meurt en 2 secondes, mais... Quand même, quoi.
Il y a encore des ennemis. Faut arrêter là où il y en a. Ouah, il y a plein d'ennemis. Attendez, attendez. Non. Je sens mal. Je sais pas pourquoi, mais il y a les barils qui vont exploser. Voilà. Voilà. Je savais bien qu'il y allait avoir un pont qui allait faire péter les barils. Dancing Rhapsody. Niveau 8. Oh, c'est bien. Y'a rien là? Oh, on a loupé un truc. Oh merde. C'est de l'Iron. Ah ok, donc ici c'est le cul-de-sac. Il faut une clé. Oh, on avait une clé, on a chopé une clé quelque part. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, mais attendez. C'est une blague? Y'a rien? Non. Non. Y'a que dalle. Alors peut-être que c'était pas une clé. C'est une porte ouvrable sans clé. C'est pas. Putain, que dalle. Bon. Putain. J'ai toujours le chic pour trouver les endroits où il faut aller du premier coup. Mais du coup, quand je vais dans l'autre chemin. Parce que c'est le chemin un petit peu annexe. Bah, final, y'a rien souvent, malheureusement. Putain, mais vous pouvez le tuer? Merci. Les donjons et les maps sont grandes. Hein. Oh putain. Voilà. Elles sont chiantes à se barrer ces archères. Mais comment on va faire quoi? Parce que bon, là ça va, je crois qu'il nous reste un truc. Pour faire de la lumière, mais s'il y a encore d'autres endroits comme ça, on en a plus qu'un. On en a plus qu'un quoi. Et encore ces putains de gargouilles. Hein. Ici. Oh là là, c'est horrible. Mais non, qu'est-ce que je fais? Non mais franchement, le mec qui a eu l'idée de ces donjons va quand même garder les clés comme ça. Il faut le frapper.
S'il vous plaît. Celui-là. J'ai... Oh, c'était les deux. Non mais va te faire, con. Non mais va te faire. Ah d'accord, en plus on est mort. Ah. C'est fini? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, con? Merde. On n'a plus de potion de vie en plus. Merveilleux. Il est mort? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Allez. Ah non, là... Ça devient n'importe quoi. C'est quand qu'il se finit ce donjon, là? Ah. Putain, aucun point de sauvegarde en plus. Je le sens mal. Je le sens mal. J'espère qu'on va pas mourir. Hein. Je risquerais de m'énerver. Ah. Qui sont ces enfants avec vous? Luca. Luca. Ils nous ont aidés dans le village de Montana. Shigmund est allé devant nous. C'est bien, mais par contre, j'ai un petit peu peur parce que je sais pas s'il a de magie de soin, lui. Oh là 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 là. C'est de pire en pire. Bon. C'est bien parce qu'il y a un point de sauvegarde. Ah, tu es toujours là, toi. À se reposer. Par contre, Edward, vu que c'est la première fois qu'on l'a dans l'équipe, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut faire. Edward. La Fire Slash. Et on connecte. La Blade Skull. Ah, c'est des attaques. C'est des attaques. Ah mais non, attendez, vu qu'il y a le il y a papy, on va pouvoir lui acheter des trucs. On va d'abord ouvrir les coffres. Ok. 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 On a plein de trucs pour faire revivre les personnages. C'est pas bon signe. De toute façon, ça sent le boss. Alors ça, c'est pour... C'est les potions de soins, ça. C'est les potions de soins. On va en prendre... On va prendre 10. Ça, c'est pour la magie. La magie, on va en prendre... Allez, une. Voilà. Après, je sais pas si on a besoin d'autre chose. Ah, peut-être ça. Pour éclairer. On va prendre 6, on sait jamais. Ça, c'est les trucs pour faire revivre les personnages. On va juste en prendre un, en plus. Voilà. Est-ce que Edward a un équipement spécial? Nous... Putain, on a une nouvelle épée? Genre... Depuis quand? Ok. Donc lui... Ouais, non.
On va lui mettre de la merde à lui aussi, voilà. Ça, il sera content. On va sauvegarder et on va y aller. Bon, si c'est un boss... J'avoue que le premier boss, là, l'ogre, on a réussi à l'avoir, mais c'était pas facile. On aurait pu y rester, donc... Faut faire gaffe. Putain, mais je trompe de chemin. Par là ? Ouais. On était à côté, en fait. Papin. Oh, j'ai peur. Ah ah ah. Merci. C'était l'époque Demon Souls, n'est-ce pas? Avec les coffres ennemis. Très bonne époque. Il a donné beaucoup de fric. Ah, c'est Sigmund. Qui c'est ça? C'est Lien. Pourquoi est-il là? Tu ne sais rien du tout. C'est une sorte de race, entre guillemets, supérieure. Solenstam. Les elfes ? Apparemment, c'est eux qui contrôlent un petit peu l'univers, c'est le monde. Et c'est une sorte de voyant. Ce monsieur Solenstam, je sais pas quoi. Là, qui fait un petit peu voyant. Solenstam. Putain, le nom a couché dehors, quoi. Ah, il a tué tous ses amis. Il y a comme une petite odeur. Ça sent mauvais. Impossible. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce qui se passe ? Solenstam-san ? J'ai vu quelque chose d'horrible. Un futur qui ne doit pas arriver. Ah, c'était donc le futur en fait, c'est pas le passé. Le futur ? Amène Solenstam au... là où il y a Yujin. Le gars musclé. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'ai plus rien pour faire du feu. La lumière. Tu ne vois pas dans la nuit? Il y a des gens qui arrivent à avoir des sorts comme ça en fait. Ce n'est pas un lunagramme. C'est
そんな立派なもんじゃないですよ。シグムントとのもあまりお使いにならない。シグムント様も Apparemment, on pourrait utiliser ces trucs. Il est une personne très étrange pour moi. Et... Est-ce que tu connais le peuple de la Lune ? Apparemment, oui. Les gens ont été nés, ils ont reçu un lunagramme. Le lunagramme est un pouvoir spécial de Dieu. 一般的に生まれた日の月の満ち欠けでルナグラムの強さは決まります。はい。不幸なのは生まれた日が新月だったことも。彼らはルナグラムを受け付けない。故にルナグラムのない人々は新月の民と呼ばれてきました。ああ、なんか。不幸は言い過ぎでしょう。 ルナグラムのない聖など不自然です。ありえません。ソレンス様さん。新月の民はルナグラムによる力も技術も持たない。故に疎ましい存在とされてしまいます。Attendez deux secondes que je récapitule。シグムントどののように使わないのと使えないのでは大きく違いますよ。 Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un résumé? Pas encore. Ah, peut-être. Peut-être. Alors, en fait, il y a des lunagrammes. On va appeler ça lunagramme, vu qu'il dit lunagramme. Donc c'est des symboles qui sont en fait qu'on a quand on est. Et la puissance en fait du lunagramme, donc c'est un petit peu comme de la magie quoi. C'est en fonction de la position de la lune par rapport à au monde dans lequel on vit. Et quand donc c'est le jour de la nouvelle lune et qu'un enfant naît le jour de la nouvelle lune, l'enfant n'a pas de lunagramme. Voilà, c'est un cas particulier. Et donc du coup, les enfants qui n'ont pas de lunagramme, bah, sont un petit peu... voilà, on voyait dans la cutscene, ils se faisaient jeter des cailloux et tout, parce que c'est un petit peu le vilain petit canard, en fait. Voilà. Et ça devient un humain complètement banal, et ils se font appeler, en fait, les humains de la nouvelle lune. Et donc du coup, c'était pour nous dire que... Solenstan voulait nous dire que entre quelqu'un qui ne peut pas utiliser donc les lunagrammes et quelqu'un qui ne veut pas utiliser les lunagrammes, il y a une très grosse différence. Voilà. Voilà pour l'histoire un petit peu qu'il nous a raconté. Du coup, on va se reposer. J'ai pas vu les PV. Est-ce qu'il va venir avec nous? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, ça va faire 2 heures bientôt, je vais pas tarder à arrêter, je pense. Alors que je prépare quand même le repas du midi. Mais faut aller où là? Faut revenir. Faut revenir là où il y a Simon. Sigmund. Ah mais non, Eugene, c'est pas le mec musclé, c'est le mec aux lunettes, quel con. Le mec musclé, c'est Balbagan. C'est pour ça, en fait, j'ai confondu les noms. Ouais, donc maintenant, on l'a amené où il y a Eugene, ça devrait être bon. On devrait pouvoir avancer dans le donjon. Aya vient d'apprendre une nouvelle technique. Normalement, c'est la pluie de flèches.
Aya, pluie de flèches. Voilà. Là. Est-ce que là on peut y aller? Je dirais que oui. Ça va, c'est juste un coffre. Heureusement. On s'est fait Kenny. C'était un piège. On a eu un centime. Putain, il était pas mort, toi aussi. Oh là 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 là. C'est 2h30 du mat. Ah, j'entends un coffre. Non, c'est pas un coffre. C'est le mur. D'accord, c'est le mur. Oh merde, faut qu'on se soigne. C'est vrai qu'il n'y a plus personne pour nous soigner maintenant. Putain, mais qu'est-ce que je fais? C'est vrai que Solemnstam, je sais pas pourquoi il était tout seul dans ce château du coup. C'est assez étrange. Oh, c'est peut-être au grand méchant. Pas du tout. C'était si bien. Ah, quoique. Ah non. Yami-kōshi-ga-mizukara-aitenishita-to-iu-no-mo-imanara-wakaru-sukoshi-kurai-kaiwa-o-tanoshin-de-wa-dou-ka-ne 解放者と呼ばれるほどの男が。 どけ。 Mais c'était pas des gentils, eux. Tu es résistant. Shield Knight-o-kan-suru-mono-ga-sono-zama-kai. Ano-kata-ga-goran-ni-natta-ra, sazo-ya-shitsubou-sareru-de-shou-ne. Saranda-ka. Te-o-kase. Shou-ga-nai. Shikkari-uke-toru-nda-yo. Ah, il fait partie de l'armée des sceaux lui aussi apparemment. Nous allons le tuer. Allons-y, Capel. Moi aussi. Okay, il a reçu la puissance d'une madame. Bon, on sait pas qui c'est la madame, mais je pense que on le saura bien assez tôt. La vache. Putain, mais... Attendez, ça va être chaud là. En fait, faut juste éviter les attaques. Oh, merde.
à s'occuper des gardes. Merde. D'accord, j'ai compris. Quand il a ses ailes dans le dos, on le laisse à Sigmund. Et dès qu'il a plus d'ailes dans le dos, on s'occupe de lui. Ok, d'accord. Oh putain, il l'a battu ! Ça, c'est rapide. On l'a tué en moins de 2 minutes. Donc du coup, on vient d'avoir un Yellow Belly Bottle et White Belly Bottle. Ok. Des items... Je sais pas quoi ça sert encore. Et on va pouvoir péter la chaîne. Sigmund-sama. Sigmund-sama. Kusari no kaihou o hajimeru zo. Keibi wa makaseru. Il va détruire la chaîne à lui tout seul. Personne ne peut les détruire. Mais Sigmund peut le faire, non? C'est le seul qui puisse le faire, c'est pour ça que c'est un héros. Pourquoi est-ce que lui seul peut faire ça? Est-ce que c'est dû à son épée? Oula. Sigmund-sama! Tenez bon, Sigmund-sama! Bien joué. Nous allons appeler Yujin pour vous soigner. Son corps n'est plus assez résistant. Amenons Capel avec nous. Il peut nous être utile. Sans me demander mon avis, mais arrête. Tais-toi. Je pense que Capel a une force spéciale. Tu dis n'importe quoi. Oui, je pense comme toi. Ferme-la, toi. Et viens avec nous. Sigmund a dit que tu peux rester avec nous. C'est bien, non? Donc du coup, voilà, on va revenir. Enfin, on va plutôt aller à Bulugas. Ok. Donc là, ils sont tous devenus nos amis. Ah, maintenant on peut changer notre équipe. Mais putain la vache, on va avoir combien de personnages à la fin du jeu. D'accord, donc on peut changer comme on veut les personnages, sauf que parfois... On est obligé d'avoir certains personnages avec nous. D'accord, d'accord.
Ok. Bah du coup, bon Capel, on est obligé de l'avoir, je pense. On peut le virer. Non. Donc on va prendre Eugene. Est-ce qu'il peut? Je pense qu'il doit avoir la magie régénératrice. Ouais, donc lui, vu qu'il nous accompagne, on peut pas le mettre avec nous. On va prendre Sigmund parce que je pense qu'il doit être fort. On va prendre Aya. Puis on va prendre Eugene. Parce que bon, je pense quand même avoir un mage, c'est important. Un mage. Un prêtre. Alors. Sigmund, ok. Ok. Eugene n'a rien. En connect, il a quoi, Eugene? Enfin, il n'y a pas de magie. Je peux pas redonner de la vie. Merde. C'est Sigmund. Il a Green Valesti. Green Valesti. Al. Je sais pas quoi là. Attendez. Albheim. Il utilise son bouclier. Je sais pas. Je vais le laisser comme ça parce que bon, je sais pas du tout. Ah si, il peut nous régénérer l'usine. C'est bon là. Attendez. Aya aussi peut nous régénérer. Elle peut régénérer qu'un personnage par personnage. Merde, je peux plus changer. Merde, on a fait le con. Peut-être ou... Je sais pas, peut-être garder... garder Aya et virer Eugene. Peut-être. Et prendre Balba Kang ou Edward. Je sais pas, on verra. C'est peut-être pas une bonne idée aussi que de prendre que des attaquants, faut peut-être un mage. Bon, on verra. Eugene, de toute façon, apparemment, il a des attaques et il peut aussi soigner, donc bon. Il fait un petit peu double emploi, je pense. Histoire de mage rouge. À la Final Fantasy. Alors, attendez. On va s'arrêter là du coup. Je vais juste voir 2-3 combats pour voir comment ça se déroule. Puis on va s'arrêter ici. Allez hop. Un petit combat. Effectivement, Sigmund a l'air puissant. Parce qu'on n'a pas des objets. Non. C'est la même chose. Bon, on a que dalle. On a que dalle. C'est bien quand même d'avoir pas mal de personnages dès le début. Ça permet de faire vraiment l'équipe qu'on veut. Et ça, c'est bien. Non, franchement, c'est. Ouais. C'est un bon jeu. Très bon jeu. L'univers a l'air d'être sympa, les musiques sont sympathiques aussi. Le système de combat, bon, c'est pas le meilleur du monde, mais il est pas nul non plus.
Les ennemis pour l'instant ça va. C'est un petit peu. C'est un petit peu varié. On n'a pas encore énormément non plus de monstres dans le bestiaire, mais ça tient la route quand même. Ça tient bien la route. On a envie de découvrir ce qui va se passer. Enfin, moi en tout cas j'ai envie de découvrir ce qui va se passer. Ça a l'air d'être intéressant. Chaque personnage aussi a vraiment sa personnalité. Donc, là c'est Bruganès ou je sais pas quoi là. Allez, on va. J'espère qu'il va pas y avoir 10 000 scènes cinématiques. Je pense pas qu'il y a un point de sauvegarde juste avant la porte. Une Red Berry. Brugas. C'est la capitale. Village gaulois. Oh. Sigmund-sama. Une scène d'amour. Tu es Milche. Ah. Arrête de le prendre dans tes bras. C'est un ancien ami de Sigmund. C'est une très bonne prêtre. Pourquoi vous m'avez laissé? Est-ce que vous me détestez? Tu m'aimes? Tu as dit que tu m'aimes? C'est une liaison compliquée. Est-ce que vous pouvez partir de Capelle? Mais non, je ne veux pas que Sigmund par ailleurs. Ce n'est pas Sigmund, vous savez. Je ne peux pas me tromper en voyant Sigmund, c'est impossible. Il a l'air content. Vas-y, Capelle, dis quelque chose. Oh. Ça fait du bien. Oh, ça fait longtemps, Milche. Monsieur Sigmund. C'est une fille comme ça. On avait souvent des problèmes avec elle, alors c'est moi qui l'ai laissée sur le côté. Eugene, c'est quelqu'un de sadique en fait. Moi aussi, je vais aller avec vous. Non, tu ne viens pas avec nous. Oui, d'accord, je comprends, je vais attendre. Désolé de m'être emporté. Soren Stam Noro, godoukou onegai dekimasuka? Shouchi shimashita. Est-ce que vous pouvez venir avec nous, monsieur Soren Stam? Toi aussi, Edouard. On va aller voir le roi. Otto Burgas.
Bon. Point de sauvegarde. Est-ce qu'on peut toujours se connecter? Ah, c'est énorme ça. Se connecter avec les personnages. Oh. Non. Dans les villes, il y a toujours des murs invisibles. Qu'on peut retourner à la plaine. C'est ça, je crois que c'était la plaine où on était. Où c'est. Oh, un coffre. Ah mais merde, il n'y a pas d'endroit où on peut aller. Là non plus. Putain, on est complètement bloqué. Il n'y a pas une auberge. Attendez. Il faudra une auberge. Il n'y a pas forcément une auberge, mais un endroit où on peut se reposer, quoi. Et un balbagan. D'obtenir de l'alcool de Bulbagas. Bulugas. Ah, peut-être ici, il doit y avoir un point de sauvegarde. C'est une auberge. Ah, bah voilà. Donc on va s'arrêter ici. Moi, je vous dis, bah... à la prochaine fois pour la suite de ce merveilleux jeu qui est Infinite Undiscovery. Allez, à la prochaine.